page 39 du cahier d'exercice. C'est toujours sur le son I qui s'écrit avec les lettres I et L ensemble. Donc, quels sont les trois mots que vous avez à encoder, c'est-à-dire que vous avez à écrire avec des lettres, mais vous avez déjà les syllabes. Ça, d'après vous, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Avec la syllabe vent, la syllabe taille et la syllabe et. C'est l'éventail. Donc, éventail. Pas de E à la fin. Éventail. À vous de remettre les syllabes dans l'ordre et de réécrire le mot éventail. Pareil pour ce mot-là. Le doigt du pied, comment s'appelle-t-il à partir de ces deux syllabes, taille et or? Ici, sur cette ligne support, on va zoomer comme ça, vous voyez bien la ligne support. Là. Bien dessus. Qu'est-ce que vous allez écrire comme mot? Le doigt du pied, ça s'appelle l'orteil. L'orteil. Orteil. Écrivez orteil. Ici, c'est l'épouvantail, avec les quatre syllabes à remettre dans l'ordre. Épouvantail. Ensuite. Pareil, je vous redis les conditions, les deux conditions pour écrire une phrase à partir du dessin. Première condition, la phrase doit décrire le dessin. Ça veut dire, elle doit expliquer ce que l'on voit sur le dessin. Deuxième condition, elle doit respecter le son de la semaine. Et le son de cette semaine, c'est le son « y » qui s'écrit avec « il ». Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire à partir de ce dessin et du son de la semaine, en respectant les deux conditions? On peut écrire... Qu'est-ce que l'on voit là? On peut dire un nom d'oiseau avec le « y ». Ok, mais moi, j'ai décidé de faire autre chose. Mais vous pouvez donner un nom d'oiseau ici. Mais ça a l'air d'être une pie. Alors, on peut mettre Ludo. Donc, L majuscule Ludo et Nina surveillent, du verbe surveiller, l'oiseau dans son nichoir, par exemple. Ok? Il y a le y dans surveille. Donc, Ludo et Nina surveillent l'oiseau, ou la pie, si vous voulez, dans son nichoir. Point. Ensuite, ici, vous avez un petit animal avec le son « y ». C'est facile, hein? Il n'y a pas besoin de trop se creuser la cervelle. C'est l'écureuil grimpe à l'arbre. Ou l'écureuil court le long du tronc d'arbre. Ou l'écureuil monte à l'arbre. Mais il faut qu'il y ait le mot « écureuil ». Il peut y avoir aussi le mot « feuille ». On peut mettre l'écureuil ou l'animal. L'animal va rejoindre les feuilles. Il y a le y, c'est bon. Et troisième dessin, toujours en respectant les deux conditions. Ludo se réveille. Ou Ludo appuie sur le réveil. Voilà, il faut qu'il y ait le y. Donc réveiller, le verbe réveiller ou le réveil ici. Ok, comme vous voulez, à vous de choisir. Ensuite, troisième et dernier exercice. Donc, vous avez deux sujets, ça veut dire deux commandeurs possibles de la phrase. Qui commande la phrase? Qui dirige la phrase? C'est le sujet. Donc, soit vous, ici, vous avez le sujet, c'est Nina. Ça veut dire que c'est Nina qui commande, qui dirige le verbe, qui dirige la suite de la phrase. Ou alors, vous avez Ludo et Nina qui commandent la phrase, qui dirigent le verbe, qui dirigent la suite de la phrase. Okay, donc ici, vous avez le singulier, parce qu'il y a une seule personne, il n'y a que Nina. Ici, vous avez le pluriel, parce qu'il y a deux personnes. Donc, pensez bien singulier et pluriel. On a déjà vu ensemble féminin, masculin, masculin, féminin. Là, on s'attaque au singulier, donc une seule personne ici, et au pluriel, plusieurs personnes. 2, 3, 4, comme vous voulez, 5, 6, 7, plusieurs. C'est ça le pluriel. Mais pourquoi on parle de singulier et de pluriel? Parce que la fin des verbes, on a déjà vu ce que c'était les verbes, ne va pas être la même si c'est le singulier qui commande ou si c'est le pluriel qui commande. Donc à vous de bien relier. Nina, est-ce qu'on va mettre « joue dans le jardin » comme ça ou « joue dans le jardin » comme ça? Regardez bien la fin du verbe, c'est-à-dire la terminaison du verbe. Eh bien, la terminaison du verbe, elle est en fonction du sujet, c'est-à-dire en fonction de la nature
du sujet, c'est-à-dire en fonction de savoir si le sujet est féminin ou masculin, ou si, surtout aussi dans ce cas, si le sujet est au singulier, ça veut dire un seul, ou s'il est au pluriel. À vous de regarder le sujet et de relier au bon verbe. Pareil ici, vous avez, toujours pour Nina, est-ce qu'on va relier? Faut relier à un des deux ici. Là ou là, un des deux, soit la première, soit la deuxième. Et toujours pour Nina, est-ce qu'on relie à la troisième phrase ou est-ce qu'on relie à la quatrième phrase? Nina se promène dans le parc ou Nina se promène dans le parc? Au niveau du sens, c'est la même chose. Mais au niveau de l'écrit, il y a un petit signe comme ça, comme un petit piège pour marquer le singulier de Nina, une seule personne. Est-ce que c'est ça ici à la fin du verbe qui marque le singulier ou est-ce que c'est ça? À vous de relier à une des deux phrases, pareil, avec Nina. Et vous faites la même chose pour Ludo et Nina. Cette fois-ci, ils sont deux. Il n'y a plus une Nina toute seule, il y a Ludo et Nina. Donc le sujet, c'est-à-dire celui qui commande le verbe et la suite de la phrase, est au pluriel. Donc regardez bien la fin des verbes dans ces deux phrases qui veulent dire la même chose. Joue dans le jardin, joue dans le jardin. Eh bien, regardez la fin. Où est-ce qu'il y a le pluriel? Eh bien, vous reliez là où il y a le pluriel, une des deux. Pareil là aussi. Regardez bien la fin du verbe se promener. Ils se promènent au pluriel, puisque c'est Ludo et Nina au pluriel. Regardez bien la fin. Ok, vous reliez à la bonne phrase. Facile.